Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel atelier du CX Summit 2023. On est toujours sur CAP, sur l'expérience client de demain. Et un des points essentiels dans l'expérience client de demain, ça va être tout simplement d'intégrer l'éco-responsabilité dans sa relation client. Et pour cela, j'ai la chance de recevoir trois intervenants pour vous expliquer un petit peu les fondamentaux. Alors tout d'abord, Laetitia, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Je suis Laetitia, je suis la directrice générale France de Greenly. Et Greenly, on est la plateforme leader mondiale du bilan carbone pour les entreprises. Merci. Alors, on verra peut-être un peu plus tard ce que c'est le bilan carbone, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais ouais. En tout cas, ça va nous apporter un bel éclairage. Alors Léa, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Léa Bosson, moi je suis responsable qualité et RSE pour Eloquent. Merci Léa. Guillaume. Bonjour Frédéric, moi je suis Guillaume Caligaro, je suis directeur associé à l'Académie du Service, qui est un cabinet de conseil et de formation spécialisé en expérience client et en relations clients. Et vous êtes aussi l'inventeur de la symétrie des attentions. Alors moi personnellement non, mais le cabinet oui a déposé la marque de ce concept qui commence à se diffuser dans une partie des entreprises qu'on accompagne notamment. Ouais. C'est vrai que c'est une vraie référence dans le milieu de la relation client. Alors, pour commencer, ce qu'on doit voir généralement, c'est lorsqu'on veut avoir une démarche RSE, on commence généralement par faire un bilan carbone. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'un bilan carbone? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça mesure? Et en quoi ça permet justement de mesurer son éco-responsabilité et après de le reporter justement sur sa relation client? Alors, le bilan carbone, c'est une démarche complète qui inclut un bilan de gaz à effet de serre, mais aussi l'engagement de ses employés et la mise en place de plans d'action pour réduire ses émissions d'une année à l'autre. Et dans le bilan de gaz à effet de serre, il y a quelque chose qui est donc la plus grosse partie, c'est le scope 3. Donc en fait, le bilan de gaz à effet de serre est divisé en trois scopes. Ouais. Scope 1, c'est les émissions directes. Scope 2, les émissions indirectes liées à l'énergie. Et scope 3, toutes les autres émissions indirectes. Mmh. Donc en fait, toutes les émissions de vos fournisseurs. Donc vous, quand vous avez un client, en fait, vos émissions sont ses émissions. Et c'est là que ça va être très intéressant dans la relation client, parce qu'il va y avoir une grosse pression de la part des clients sur leurs fournisseurs. Parce qu'en voulant réduire leurs émissions globales, ils vont bien sûr vouloir réduire les émissions de leurs fournisseurs qu'ils ne contrôlent pas. Et donc c'est pour ça qu'on a vu donc, depuis déjà 10-15 ans, il y a des grands groupes qui font des bilans carbone très bien, avec des cabinets de conseil, etc. Ils sont assez matures, les grands groupes. Mais depuis plutôt 4-5 ans, on commence à voir ces grands groupes qui mettent une pression sur leurs fournisseurs parce qu'ils ont fini la partie qu'ils contrôlent et qu'ils veulent maintenant réduire leur scope 3. Et ces fournisseurs-là, par contre, ce n'est pas souvent des grands groupes. Ils n'ont pas forcément les moyens de s'engager parce qu'une grande entreprise peut avoir une équipe dédiée, peut avoir du budget pour des consultants, etc. Des plus petits clients vont être en difficulté quant à leur stratégie climat. Et pourtant subir cette pression. Et là, ça va en plus s'empirer avec la CSRD qui va arriver l'année prochaine. Donc c'est une réglementation européenne qui va pousser toutes les entreprises de plus de 250 employés à mesurer leurs émissions et donc par extension celles de leurs fournisseurs. Mmh. Et donc elles vont aussi mettre encore plus de pression sur les fournisseurs. Donc nous, chez Greenly, c'est pour ça qu'on a créé une plateforme technologique et logicielle pour faciliter le bilan carbone pour ces entreprises de petite et de moyenne taille, tout en faisant un bilan carbone très précis. Voilà, on utilise la technologie, dont certaines que vous avez citées au précédent workshop, comme l'intelligence artificielle. Et donc ça permet à des équipes beaucoup plus petites, qui n'ont pas de la connaissance, qui ne sont pas pros dans le secteur, de lancer leur stratégie climat et réduire leurs émissions d'une année à l'autre. Et au fur et à mesure, on est devenu de plus en plus intéressant, même pour les grands groupes, qui, eux, veulent engager leurs fournisseurs, mais dont les fournisseurs répondent bah, « Moi, je n'ai pas comme toi les moyens de m'engager, je ne peux pas, je peux pas aussi mobiliser autant de gens en interne. » Et donc, du coup, on a une forme de partenariat avec eux, on va les accompagner sur l'engagement de leurs fournisseurs et la réalisation de bilan carbone de leurs fournisseurs. Alors, comment ça marche? Parce que bon, tu parles en fait des émissions de gaz à effet de serre, ça a l'air un petit peu compliqué à mesurer. Comment on fait avec Greenly, comment on fait pour mesurer, bah tiens, j'ai une temps de consommation de gaz à effet de serre? Alors la manière dont ça marche de manière très, très schématique, c'est qu'on a une activité ou une dépense ou un fournisseur, et on va y associer un facteur d'émission, donc pour pouvoir multiplier simplement, je dépense 1 euro chez Air France, j'ai donc en moyenne dans le secteur de l'aérien, 1 euro dépensé égale tant de CO2, et donc ça me donne mes émissions liées à mon aérien.
Sauf que, évidemment, le monétaire, ce n'est pas très précis. Parce qu'il peut y avoir aussi... ce qui va être intéressant, c'est de regarder à la maille de l'activité. C'est, OK, mon vol, c'était quoi? C'était un Paris-New York ou un Paris-Madrid? Parce que ça pourrait être le même prix. Ouais. Et donc, du coup, on va regarder plutôt l'activité physique, donc vraiment le nombre de kilomètres. Et donc là, on va avoir quelque chose de plus précis. D'accord. Et en disant, un kilomètre volé égale tant de carbone. Donc ça, c'est un facteur d'émission physique. Mais ensuite, on peut vouloir avoir quelque chose d'encore plus précis, et c'est le facteur d'émission au niveau du fournisseur. C'est-à-dire, quelle est vraiment l'analyse de cycle de vie carbone de ce fournisseur en particulier sur ce service qu'il me rend. Et donc, du coup, ça donne la mesure la plus précise. Mais est-ce que ce n'est pas très long à mettre en place? Parce que si tu me dis, tiens, il faut que je prenne tous les trajets en avion de mes collaborateurs, que je valide si ça a été fait jusqu'à Paris, si ça a été jusqu'à Grenoble pour chez nous. Après, c'est pour ça qu'on utilise la technologie, c'est de le rendre facile avec des connecteurs API pour aller se connecter au système, parce que toutes ces informations-là, elles existent dans l'entreprise, il suffit juste de la collecter. Et si on le fait à la main avec une seule personne qui va courir derrière tout le monde, là, ça devient compliqué. Mais en se connectant au bon logiciel, donc en général, il y a des logiciels qui gèrent les dépenses, les voyages, etc. Là, on peut récupérer beaucoup, beaucoup d'informations automatiquement. Et on a notre algorithme qui va les matcher avec les bons facteurs d'émission et des experts qui vont accompagner le client ensuite sur la définition de plan d'action qui va être le plus important. Alors justement, c'est ça qui va être l'intérêt. On va avoir son bilan carbone et se dire, tiens, j'ai un temps de bilan carbone, enfin, temps de consommation. Comment en fait, après, est-ce que mon objectif, c'est de dire, tiens, cette année-ci, j'étais à, par exemple, X et cette année, je suis à Y. C'est là, en fait, je compare un petit peu les efforts qui ont été faits d'une année à l'autre. Il sert à ça, le bilan carbone? C'est à ça. Donc, c'est un indicateur comme un autre qu'on va essayer d'améliorer comme son revenu. On va le mesurer à un instant T, on va se dire, OK, voilà où est-ce que j'ai envie d'être dans quelques années. Donc là-dessus, pour mettre en place une trajectoire de décarbonation, c'est simple, il y a les accords de Paris qui en suggèrent une, donc on peut s'aligner, ou on peut être plus ambitieux ou moins ambitieux, et donc mettre en place des plans d'action et vérifier tous les ans qu'on est sur la bonne trajectoire de réduction, contrairement au chiffre d'affaires, on serait sur une trajectoire d'augmentation. Et là-dessus, les plans de réduction, justement, comme je disais tout à l'heure, le scope 3, donc pour revenir un peu sur la relation client, le scope 3 qui représente la majorité des émissions, c'est très souvent une cible, parce qu'on se dit, OK, si c'est là qu'il y a toutes les émissions, c'est là qu'il faut que j'agisse, et c'est là que je veux engager mes fournisseurs et créer un peu un écosystème vertueux où tout le monde commence à faire un bilan carbone et tout le monde commence à mettre en place ses propres plans de réduction. Et donc ça, on a eu un exemple, je pense, qui est très, très marquant. C'est donc un manufactureur de parties automobiles, donc de pièces détachées, qui voulait mesurer l'empreinte carbone de ses câbles en cuivre, donc très précis. Hein. Et sur ces câbles en cuivre, qui représentent une grosse partie de ses achats, on a fait d'abord une analyse monétaire parce qu'on a scanné tous ces achats, on s'est dit voilà où il faut se concentrer. Mais ensuite, on lui a dit là, par contre, c'est important de nous dire pour les câbles en cuivre, justement, on veut être plus précis, on veut savoir c'est quoi le poids, les matériaux utilisés. Donc sur la base des informations que ce client avait, on a pu en déduire une empreinte carbone plus fine. Mais il nous a dit, mais par contre, ça me paraît gros parce que mon fournisseur, il est super, il est très engagé, il utilise des matériaux recyclés, etc. Et du coup, on est allé voir le fournisseur et on lui a demandé, OK, est-ce que vous avez mesuré l'analyse de cycle de vie carbone de votre produit que vous vendez à notre client? Et il l'avait fait. Et donc, on a pu diviser par 3 l'estimation qu'on avait parce qu'on a pu prendre la donnée la plus granulaire possible. Et donc, ça, c'est un super fournisseur pour ce client. Il va vouloir le garder. Et ce qui est génial, en plus, c'est que non seulement il n'aimait pas beaucoup, mais en plus, il a une trajectoire de réduction. Et donc, notre client à nous, il va avoir son scope 3 qui, même s'il ne fait rien du tout, va réduire au fur et à mesure du temps grâce à ce fournisseur. Et donc, en termes de relation client, c'est un fournisseur qui rend son client heureux, qui fait le travail pour lui. Et donc, ça va être très, très important pour la rétention du client. Et à l'inverse, les clients qui ne sont pas les plus propres et les plus vertueux risquent d'être remplacés. Nous, par exemple, on a fait notre propre bilan carbone chez Greenly, évidemment, et mes équipes m'ont présenté mes fournisseurs les plus polluants, et je me suis dit, celui-là, on va le changer. Et c'est le cas de tous nos clients. Et donc, nous, on leur propose un catalogue de fournisseurs vertueux. En tant que plan d'action aussi, on leur dit, ici, vous avez tel fournisseur, nous, on connaît celui-ci, pour qui on a fait cet exercice d'analyse de cycle de vie, parce qu'on le fait aussi sous forme de calculatrice qui nous permet de le faire un peu à grande échelle. Donc on a beaucoup, beaucoup de données sur beaucoup de fournisseurs et on peut dire, vous pouvez changer de fournisseur pour avoir un fournisseur qui réduise votre scope 3.
D'accord. Alors ça, c'est vraiment, c'est l'idéal, c'est se dire, je choisis les fournisseurs qui sont les plus vertueux, les plus respectueux de la nature. Je sais qu'il y a une tendance aussi à se dire, ben voilà, la note RSE, en fait, la RSE, l'orientation RSE de mon fournisseur, on peut la pondérer dans la note globale. Par exemple, on met 40 points sur la partie technique, 40 points sur la partie prix et 20% sur la partie RSE. Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Ou est-ce qu'il faut justement aller plus loin en disant, voilà, moi, j'ai la possibilité de choisir dans n'importe quel fournisseur, je choisis celui-là, ou alors il y a des fournisseurs stratégiques qui sont impossibles à changer du jour au lendemain. Non, mais alors ça, il y a beaucoup d'entreprises qui limitent, enfin, qui minimisent leur impact sur leurs fournisseurs, mais vous êtes le client, vous êtes roi en fait. Donc, en effet, quand on commence une stratégie climat avec, et qu'on a déjà des fournisseurs, on va essayer de les engager. S'il y en a qui disent non, peut-être qu'une année ça va passer et qu'on va se dire bon, je me concentre sur ceux qui veulent bien s'engager, mais au bout d'un moment, si c'est la dernière chose qui nous reste pour réduire nos émissions, ils vont réfléchir à quelque chose d'autre. C'est sûr que ça, la question va se poser. Par contre, le meilleur moyen de mettre en place une stratégie d'achat responsable, c'est en effet ce filtre à l'entrée, au niveau de la RFP. Donc on remplit tous des RFP tous les jours, voilà, on a des gros Excel ou des logiciels qui facilitent ça. Aujourd'hui, beaucoup demandent l'empreinte carbone. Ils demandent, voilà, est-ce que vous faites un bilan carbone? Oui, si scope 1, scope 2, scope 3, ils veulent savoir exactement vos émissions parce que eux, ça leur permet de nourrir leurs émissions. Et mettre ce filtre à l'entrée, c'est vraiment le seul moyen d'avoir 100% de précision sur son scope 3. Parce qu'aller rattraper le passé, c'est toujours un peu compliqué. Donc oui, c'est de plus en plus demandé dans les RFP. Et nous, on fait des partenariats d'ailleurs avec des plateformes, donc les plateformes d'achat qui permettent aux acheteurs de gérer leurs fournisseurs et on leur permet d'intégrer directement comme en Evalua, API. Comme Evalua, par exemple. Qui est un client Eloquent et qui utilise notre solution. Qui est un client Greenly aussi. Et qui utilise Eloquent pour sa solution de centre de contact. Donc, si vous appelez le support technique d'Evalua, et ben c'est la solution Eloquent qui est au travers. Et si vous, il mesure votre satisfaction, c'est Eloquent aussi. Ah, voilà. Bah, c'est avec ce type d'acteurs qu'on intègre en fait nos données carbone dans la leur pour promouvoir cet écosystème vertueux. Alors justement, on sait très bien que selon le secteur d'activité, la consommation ou la production d'émissions de gaz à effet de serre, elle est différente. Et je pense que chez vous, comment ça se passe? Est-ce que par exemple, je suis dans une entreprise comme Eloquent, on a beaucoup de frais sur les transports, on a beaucoup de frais sur les serveurs. Si je suis par exemple dans le domaine de la production individuelle comme ce studio ici, on sait plus sur la télé, la consommation d'énergie des serveurs, etc. Est-ce qu'on a ce genre d'outil-là? Est-ce qu'on peut aller sur cette finesse? Est-ce qu'on peut mesurer un petit peu ces évolutions? Oui, comment absolument. Ça se passe? La verticalisation, c'est hyper important pour le bilan carbone, parce que comme vous le dites, les émissions ne sont pas les mêmes pour une boîte de tech ou une boîte ou un investisseur. Investisseur, toutes ses émissions, c'est dans son portefeuille. Ce qu'il a dans ses bureaux, ça ne va pas représenter grand-chose. Une boîte de technologie, par exemple, ça va être ses serveurs, son stockage, son cloud, etc. Et donc, en fait, nous, on a commencé Greenly il y a 3 ans, mais on a déjà 2000 clients et on a pu construire en fait une plateforme qui est différente selon les clients. Parce qu'en fait, chaque client a besoin de ces modules physiques qui permettent de calculer ces facteurs d'émissions physiques. Donc, chaque verticale a besoin de son produit. Et donc, du coup, on a notre bibliothèque, donc on l'appelle ça notre App Store, d'applications climat, qui sont en fait des modules physiques. Et chaque industrie a ses applications climat par défaut. Mais bon, si une boîte d'industrie veut être plus précise sur son cloud, c'est pas dans les modules par défaut, mais elle peut le rajouter. Et donc, la verticalisation est très, très impactante dans le bilan carbone. Alors justement, j'ai par exemple ici sur, parlons d'Eloquent, j'ai la partie transport, j'ai la partie, on va dire, hébergement des serveurs. C'est là en fait que j'ai mes indicateurs, avec toutes les informations que j'ai saisies ou que j'ai récupérées automatiquement, je vois où j'en suis. Comment je fais pour me dire, mais où je dois agir en priorité? Parce que c'est souvent ça le problème, c'est qu'est-ce que je peux faire? On a parlé tout à l'heure de cette possibilité de noter ses fournisseurs, mettre un cahier des charges en amont, communiquer sur cette démarche éco-responsable. Comment en fait vos clients l'utilisent et quels sont les exemples d'utilisation, parce que sur votre site c'est assez intéressant, on voit bien des exemples, par exemple des cabinets de consulting, des gens qui sont dans l'industrie, dans l'e-commerce, et on voit bien un petit peu des références. Et comment je sais si je suis bon, pas bon par rapport à la moyenne du secteur? Alors nous, déjà, on va vous donner un benchmark, parce qu'évidemment, si je vous dis que vous émettez 400 tonnes de CO2, vous allez me dire, qu'est-ce que ça représente? Donc le benchmark, ça va être très important de savoir vous situer par rapport à des entreprises de votre taille. Donc on va rapporter ça à soit à votre chiffre d'affaires, soit à votre nombre d'employés, selon ce que vous voulez donner et la précision de ce qu'on a comme benchmark. Et on va benchmarker ça contre d'autres entreprises qui sont de votre secteur. Comme ça, vous pouvez voir sur chaque poste où est-ce que vous vous situez.
Mm-hmm. Peut-être vous êtes meilleur en cloud, moins bon en transport, etc. Donc vous allez pouvoir voir là où vous pouvez vous améliorer puisque les autres le font. Mais évidemment, on ne vous laisse pas tout seul dans cette aventure. On a nos experts climat en interne et on travaille aussi avec des consultants en externe, si vous préférez travailler avec votre consultant, qui vont vous accompagner sur les plans d'action. Donc nous, par exemple, dans notre bilan carbone à nous, on a fait des workshops sur chaque gros poste d'émission pour réfléchir ensemble avec l'équipe concernée à comment on allait réduire nos émissions. Donc on a eu le workshop avec le cloud, le workshop sur l'alimentation des employés, et en fait, ça permet d'identifier quels sont les plans d'action possibles, ceux qui sont faciles à faire, moins faciles à faire, et ceux qui sont très efficaces et moins efficaces, et comme ça on priorise et on définit ensemble la trajectoire et le plan. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut très rapidement faire du greenwashing, c'est-à-dire tiens, par exemple, je favorise le retraitement des déchets au travail, qui est facile à faire, je fais venir un traiteur qui est éco-responsable, mais en fait, si je ne travaille pas, par exemple, pour la réduction de mes trajets de train ou mes trajets d'avion, forcément, on dira oui, je fais des efforts, mais d'un autre côté, ce n'est pas ça qui a un vrai impact. C'est pour ça que la mesure est essentielle, c'est un plan d'action, il ne veut rien dire tout seul, si on n'a pas mesuré l'année d'après l'impact de ce plan d'action. Et on peut mettre en place plein de choses qui n'ont pas beaucoup d'impact, et en mesurant l'année d'après, c'est là qu'on se rendra compte de l'impact qu'on a réellement eu. Donc le bilan carbone, c'est quelque chose qui doit se faire tous les ans pour vraiment pouvoir observer cette trajectoire de réduction. Alors juste pour finir, une dernière question, est-ce que vous avez un exemple d'un client qui a eu vraiment comme ça une prise de conscience et qui a fait une réduction drastique? Alors pas forcément obligé de nommer le client, mais est-ce qu'il y a comme ça un exemple qui dit « Waouh, j'ai eu une prise de conscience et ça m'a fait dire « Ok, il faut que je travaille sur tel plan ». Alors souvent, il y a des prises de conscience parce qu'on ne se doute pas tellement de où sont les émissions. C'est un sujet très nouveau. Beaucoup de clients ne sauraient pas, avant de le faire un bilan carbone, où sont leurs émissions. Et une fois qu'ils le réalisent, nous, on leur donne des plans d'action. Donc, un exemple que j'ai eu récemment sur un grand groupe dont on faisait l'empreinte carbone numérique. Quand on fait des grands groupes, en général, on se concentre sur certains départements qui sont plus enclins à travailler avec les technologies par rapport à une approche complètement consultant. Donc grands groupes, et eux ont réalisé qu'en fait, tous leurs serveurs et leur cloud étaient dans des pays très carbonés, dont le mix énergétique, du coup, était très carboné. Et ça, on a fait l'analyse avec nos modèles de à quelle heure ils utilisent leurs serveurs, dans quel pays, etc. Et on leur a proposé une alternative avec des serveurs placés dans des géographies moins carbonées, par exemple la France, où on a beaucoup de nucléaire, pour réduire leurs émissions cloud. Et ça fait réduire leurs émissions cloud de moitié. Ah oui. Donc, il y a des plans d'action qui peuvent avoir une énorme efficacité. Ce n'est pas toujours simple, hein, surtout pour un grand groupe, de déplacer toute son architecture IT. Mais voilà, il y a des solutions qui peuvent avoir énormément d'impact. Et ça, c'est quelque chose dont ils ne se doutent pas, ou en tout cas dont on ne se doutait pas il y a 10 ans quand on installait ces serveurs dans ces pays-là. Merci pour cet excellent exemple. Et c'est une bonne transition, justement. Léa, chez Elocan, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place cette relation client et co-responsable? Est-ce qu'on travaille aussi sur la localisation des serveurs? Est-ce qu'on va un petit peu plus loin? Alors, je crois que tu nous as préparé une petite présentation sur le sujet. Alors, je t'écoute. Ça marche, effectivement, tout à fait. Donc, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Greenlee, quand on démarche une stratégie RSE, on ne sait pas forcément par quoi attaquer, parce qu'il y a énormément de sujets, que ce soit sociétal, social, environnemental. Et la première bonne chose à faire, c'est effectivement de se faire un état des lieux de nos pratiques, de notre démarche. Donc nous, chez Elocan, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, on s'appuie sur le référentiel EcoVadis, qui est un petit peu la référence sur le marché, voilà, qui permet pour une entreprise de se situer dans sa démarche globale et de se comparer avec ses pairs, voilà, du même secteur d'activité, de même taille. On a aussi effectivement fait un bilan carbone. Donc au début, on se disait, tiens, est-ce que ça va vraiment nous servir d'aller farfouiller les relevés SNCF des collaborateurs? Mais voilà, ça nous a permis justement de faire un premier état des lieux l'année dernière, où on a pu voir, comme tu le disais, que la partie déplacement, si on est sur les scopes vraiment propres à Elocan, c'est une grosse partie de notre impact. Mais par contre, dès qu'on rajoute notre infrastructure, ne serait-ce que la partie achat de notre infrastructure qui héberge nos solutions, là, on fait x3, x4 sur notre bilan carbone. Donc en fait, on voit bien que les échelles sont très, très différentes en fonction du scope sur lequel on va appliquer. Donc c'est important d'avoir les bons chiffres.
Une fois qu'on a cet état des lieux un peu global, on s'est concerté, donc à la fois avec la direction, mais on a aussi des volontaires au sein de l'entreprise qui composent notre team RSE, donc qui sont des gens du développement, de l'exploitation, de un petit peu tous les services, et qui se réunissent régulièrement avec moi pour justement se dire quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en place chez Eloquent, à la fois pour réduire notre impact, pour améliorer notre accessibilité, pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs, etc. Et ça va se décliner en plan d'action. Donc chaque année, on va dire, OK, cette année, on va travailler sur égalité professionnelle et accessibilité. L'année prochaine, on sait que notre gros angle de bataille, ça va être la partie numérique responsable, parce qu'il y a une forte attente et que clairement, nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, on a des gros impacts et des grosses actions possibles sur le sujet. La petite slide qui est présentée ici montre un petit peu un état des lieux global de nos actions donc sur l'accessibilité, où grosso modo quand on fournit un logiciel quelconque à des clients et aux clients des clients, il faut se poser la question de se dire que la personne qui va recevoir ça n'est pas forcément avec tous ses sens disponibles. On a des personnes qui sont malvoyantes, qui ont des déficiences en termes auditives, etc. Donc nous, chez Eloquent, on a fait un audit sur ces sujets-là, à la fois côté centre de contact, mais aussi logiciel d'enquête, et on a commencé à déployer des améliorations pour faciliter l'accessibilité. On a monté un partenariat aussi avec Axéo, qui permet justement, quand on va appeler le centre de contact via l'application Eloquent, si je suis malvoyante, je vais avoir accès quand même à un service par téléphone, mais je vais être mis un trio téléphonique, entre guillemets, avec une personne qui va interpréter ce que moi j'ai signé, et qui va permettre de traduire ce que l'agent va pouvoir me répondre. Voilà un petit peu. On parlait tout à l'heure aussi des data centers. C'est vrai que c'est très central dans le milieu du numérique. Nous, ça a été un choix historique d'Eloquent d'héberger en France pour la partie évaluation environnementale. Je pense qu'il y a 15 ans, ce n'était pas forcément le sujet. Mais on a aussi la question de la sécurité des données. Quand on parle de RSE, on a aussi toute la partie protection de la vie privée, qui est une attente très forte. On le voit bien du public en général, des entreprises en particulier, de dire quand je confie les résultats de telle enquête ou de tel échange avec une marque, j'ai pas envie que ces infos soient réutilisées ailleurs ou soient éparpillées sur le web. Donc nous, ça a été un des choix de dire, voilà, on héberge uniquement en France, on a des équipes qui sont uniquement en France également. On a commencé à travailler sur la partie achat responsable, de se dire, OK, tous nos X fournisseurs, XY fournisseurs chez Eloquent, est-ce qu'ils sont compatibles avec notre démarche, c'est-à-dire ils ont une démarche RSE, récupérer des bilans carbone, pour l'instant, ce n'est pas forcément facile auprès notamment des gros fournisseurs, mais on avance petit à petit. Donc on travaille un petit peu tous ces aspects-là de front, donc c'est sur les gros impacts, mais aussi un peu tous les sujets, toutes les actions qui permettent d'améliorer rapidement notre stratégie, on y va. Alors, on voit bien qu'il y a vraiment c'est une importance d'aller au-delà des paroles, oui, au lieu d'aller de la communication, d'aller vraiment changer les mentalités, les cultures. Donc chez Eloquent et sur le groupe Teams, il y a un canal spécial pour la partie RSE. On voit ici, il y a des actions. Alors, quelles sont les actions qui sont là pour justement favoriser au-delà de l'entreprise le fait que les salariés, par exemple, viennent en vélo ou en transport au lieu de la voiture? Je crois que c'est un point important dans la diffusion. Faire transposer cette partie culture dans justement la relation. Dans la réalité, bien sûr. C'est vrai que la grosse problématique de la RSE, ça a été d'être un petit peu isolé de la vie de l'entreprise et voilà, une personne que ça intéresse et qui du coup de temps en temps parle de RSE. Quand on a attaqué justement cette démarche un peu plus structurée, c'était un des points fondamentaux, c'est-à-dire qu'on puisse régulièrement amener des événements, des sensibilisations, des communications à l'ensemble des collaborateurs, à la direction aussi, pour que les choix stratégiques qui sont faits au niveau de l'entreprise prennent en compte ces critères de RSE. Sur la partie mobilité, par exemple, on participe au challenge mobilité tous les ans. Donc tous nos collaborateurs sont amenés à utiliser un moyen de transport doux pendant une journée qui se déroule généralement en juin. À pied au travail. très bon point. Donc on a des très bons scores. On a beaucoup de cyclistes. C'est peut-être notre implantation grenobloise qui fait ça, mais on a beaucoup de cyclistes chez Eloquent. Donc effectivement, on va communiquer dessus. On a fait un atelier réparation vélo pour permettre aux collaborateurs aussi d'avoir un vélo qui est en bon état pour venir au travail. Donc on travaille un petit peu tout ça, on essaye aussi, là on est en train de passer la labellisation employeur pro vélo, qui est aussi un gage de mettre en place des actions pour faciliter
pas juste dire venez en vélo ou en train ou en tram, débrouillez-vous, je ne sais pas comment, mais vraiment donner les moyens aux collaborateurs de pouvoir mettre en place ces actions-là. Alors là, on a parlé beaucoup de bilan carbone, mm-hmm. on a parlé de mobilité douce, encore une fois, mais la RSE, c'est pas que ces éléments-là, il y a aussi la partie sociale. Oui. Est-ce que ça aussi, dans sa démarche relation client et dans sa relation client, il faut intégrer ces éléments-là et comment ça se manifeste? Alors, il y a plusieurs aspects à ce niveau-là. C'est vrai que quand on parle de RSE, la première chose, c'est aussi d'être à l'écoute de ces parties prenantes, justement, sur ces attentes. Donc, on va aller voir nos collaborateurs, les interroger sur leurs conditions de travail, sur leurs attentes en matière environnementale, sociale, etc. Idem pour les clients, pour les fournisseurs. On va pouvoir aller vraiment en profondeur voir quels sont les sujets qui émergent de leurs attentes. En général, on retrouve un petit peu des sujets prioritaires de conditions de travail saines, de protection de la vie privée. Là, ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est des attentes au niveau du numérique responsable, de plus en plus, alors que c'était un terme qui, il y a quelques années, n'était pas forcément très connu. Maintenant, on a du green IT un petit peu partout. Donc, on voit qu'il y a vraiment une interrogation sur ces sujets-là. Et voilà, une fois qu'on a collecté tout ça, on va pouvoir mettre un petit peu tout ça dans un grand tableau avec toutes les thématiques. Et évidemment, il va falloir prioriser, donc à la fois en disant je prends les attentes principales et je prends ce qui va avoir le plus d'impact en termes de, par rapport aux objectifs que je me suis fixés, et avancer comme ça petit à petit avec ces actions. Ouais, c'est vrai qu'on parle aussi de l'égalité homme-femme. Mm-hmm. Dans notre domaine qui est l'informatique, c'est aussi quelque chose qui est important, parce qu'on voit bien que dans un milieu très masculin, tel que les développeurs, c'est pas facile d'aller chercher cette égalité. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites pour aller rechercher cette égalité ou représentativité, par exemple sur les CODIR, CODEX, COMEX? Oui, tout à fait. Alors, on a effectivement lancé chez Eloquent l'année dernière un groupe de travail sur l'égalité professionnelle homme-femme. En partant du constat tout simple, comme beaucoup d'entreprises, on est soumis au calcul de l'index égalité professionnelle, qui est un truc assez réglementé, où on doit vérifier si on a des écarts de salaire, si on a un nombre de femmes suffisant par rapport au nombre d'hommes dans les hautes rémunérations, etc. Et aussi, notre, elle est évidemment conforme, mais elle n'est pas satisfaisante pour nous. Donc on est allé voir un peu les quatre critères qui composent cet index, et on a monté ce groupe de travail qui est composé de représentants des salariés et de membres de l'équipe RSE. Pour justement faire un état des lieux un petit peu plus poussé. On se retrouve effectivement souvent face à des sujets d'égalité comme ça, à se dire on n'a pas forcément les mains, c'est comme ça, le métier, le secteur, il n'est pas très féminin de base, ou pas très ouvert, ou je ne sais quoi. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a plein de petites actions dans la rédaction des annonces, dans la façon dont je vais recruter, dans la façon dont je vais aménager. Si j'ai un poste avec des astreintes, est-ce que je suis souple ou pas à dire si j'ai une personne qui a des contraintes familiales, je peux par exemple répondre à ces contraintes, m'adapter. Et en mettant en place toutes ces petites choses, on se rend compte que petit à petit, on arrive justement à avoir un petit peu plus de diversité. Donc on voit des résultats assez rapidement quand même. Alors justement, là, il y a pas mal d'actions qui sont menées. Il y a des actions qui vont vraiment sur le fond et qui ne sont pas très visibles, comme les serveurs. Il y a des choses qui sont beaucoup plus, entre guillemets, visibles, comme la mobilité, les challenges mobilité, etc. Mais comment on fait pour ne pas être accusé de greenwashing? Alors greenwashing, je te laisse peut-être définir ce que c'est. Le greenwashing, alors je n'aurai pas la définition officielle, mais grosso modo, c'est une entreprise qui va communiquer sur sa démarche RSE extraordinaire, en disant, regardez, on a fourni des mugs iso thermiques et puis recyclables à tous nos salariés, donc vraiment, on est super en termes de RSE, alors que, je ne sais pas, on construit beaucoup, on a beaucoup de... On chauffe à 22 degrés toute l'année. On est très open sur d'autres sujets, donc c'est effectivement un des points de vigilance quand on se lance dans la RSE, parce qu'on peut avoir un peu on voit qu'il y a une attente sur le sujet, donc on peut avoir envie de rapidement dire ce qu'on fait, etc. Mais je pense qu'il faut en revenir un petit peu au basique, de dire, mais les impacts que j'ai, moi, au niveau de mon entreprise, ils sont ceux-là, et c'est pas les mêmes que mon voisin. Donc, en fonction de mon secteur d'activité, en fonction de ma taille, et en fonction, moi, peut-être de mes priorités stratégiques, je vais justement mettre en place des actions qui sont pertinentes, qui ne sont pas à côté de la plaque, qui ne sont pas juste purement marketing. Visuel. J'ai peint mon logo en vert, donc tout de suite, je suis plus RSE.
Donc en fait, pour rassurer et valoriser, qu'est-ce qu'on fait? On met le label EcoVadis, on met son bilan carbone qui a été fait par Greenly. Alors ça passe effectivement un peu par des référentiels comme ça qui permettent de montrer que voilà, j'ai pas fait mon bilan carbone et que je me suis un petit peu amusée avec les chiffres. Ça descend bien d'année en année. Donc c'est vrai que c'est des références qui sont intéressantes. Nous, on voit que c'est beaucoup demandé justement sur les phases d'appel d'offres. Pour l'instant, la partie EcoVadis, d'avoir quelque chose d'un petit peu tiers qui permet de justifier que notre démarche, elle est globale, elle est cohérente et par rapport aux autres entreprises du secteur, on est plus ou moins bien placé. Donc nous, on est médaille d'argent, ce qui est plutôt pas mal. On espère monter d'un cran cette année. Bah justement, comment on fait pour passer de médaille d'argent à médaille d'or? Est-ce que l'effort, il est proportionnel ou ça devient quelque chose qui est très compliqué pour passer de médaille d'or? Pas nécessairement. En fait, si on prend donc ce référentiel EcoVadis, il est découpé en plusieurs chapitres. La partie impact gaz à effet de serre, la partie achat responsable, conditions de travail. Et on a des cinquantaines de questions. Est-ce que vous avez une charte d'achat responsable? Est-ce que vous faites des audits de fournisseurs, etc. Donc on reçoit un compte-rendu assez complet des points sur lesquels on a répondu et sur lesquels on a eu des points positifs. Mais on voit aussi les points faibles qu'on peut avoir. Typiquement, chez nous, il y a encore l'année dernière, la partie bilan de gaz à effet de serre, c'était clairement un point faible parce qu'on n'avait pas fait ce type de mesure. Et donc, on était incapable de dire finalement, est-ce que notre démarche mobilité, elle est pertinente? Elle est toujours pertinente, évidemment. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est prioritaire par rapport à d'autres choses? Donc, il faut vraiment partir de ça, de ces référentiels globaux et travailler les sujets sur lesquels on sait qu'on a encore de la matière à s'améliorer. Ah bah merci pour cet aspect pratique. Avec ce que plaisir. Je vous propose maintenant, c'est que on voit avec Guillaume un petit peu, on prend un petit peu de hauteur parce qu'en fait vous faites chaque année un baromètre de la symétrie des attentions et cet aspect RSE, il est vraiment remonté et remonte véritablement dans l'aspect collaborateur et également client. Alors est-ce que Guillaume, tu pourrais nous présenter justement ce baromètre qui a sa combientième édition? Je me souviens plus exactement. On en est à la presque 10e édition, 9e édition. Voilà, donc je le mets à l'écran si vous voulez télécharger le baromètre. Il y a le petit lien derrière, c'est bit.ly/baromètre-symétrie. Et effectivement, il est réalisé chaque année auprès d'un panel représentatif de collaborateurs et de clients d'entreprises françaises répartis sur une quinzaine de secteurs. Donc on suit la plupart des grands secteurs d'activité qui sont parmi vos clients ou ceux de Greenly globalement, dans la banque, dans l'assurance, dans l'automobile, dans les télécoms, je ne vais pas tous les faire, il y en a une 14, dans l'immobilier. Donc on voit qu'au sein, il y a des disparités entre les secteurs. Et effectivement, depuis quelques années, on a enrichi notre méthodologie d'un certain nombre de thématiques autour de ces sujets éco-responsables au sens large, donc environnementaux et sociaux, pour mesurer la perception des clients et des collaborateurs sur l'engagement de leur entreprise dans ces domaines-là. Alors, le premier point, c'est que, bien sûr, on constate que, comme dans toute la société, il y a une vraie prise de conscience et une sensibilisation de plus en plus accrue des collaborateurs et des clients de l'autre côté sur ces sujets-là, qu'ils y sont beaucoup plus sensibles. Donc là, on a quelques chiffres qui ne sont pas forcément issus du baromètre, mais qui montrent à quel point, dans les intentions d'achat des consommateurs, ces sujets-là, ces critères-là sont de plus en plus présents à l'esprit des consommateurs et orientent les actions des consommateurs. Ces sujets de responsabilité environnementale, mais également les sujets et les problématiques sociales au sein des entreprises, puisque on a un chiffre quelque part qui nous dit que près de 3/4 des consommateurs sont conscients et estiment que la notion de qualité de vie au travail, la fameuse QVT, a un impact sur la qualité de service qu'ils vont recevoir de leur fournisseur. On sait aussi que, d'un point de vue prise en compte des attentes des collaborateurs, il y a une frustration aujourd'hui de certains, enfin une frustration, en tout cas un constat des collaborateurs qui voient que la satisfaction des clients n'est pas, est adressée par leur entreprise beaucoup plus que la satisfaction de leurs collaborateurs. Et puis, on voit qu'il y a des intentions d'achat qui sont beaucoup plus fortes globalement sur les entreprises qui sont associées à une bonne image de marque sur ces sujets-là par les clients ou les prospects. Alors, justement, est-ce que les collaborateurs, les clients, est-ce qu'ils croient à ces démarches RSE? Parce qu'on voit bien, Greenly, on fait des bilans carbone, nous, on fait des communications, on travaille là-dessus. Est-ce que les salariés et les clients
pensent que, ok, les entreprises font vraiment des véritables efforts. Aujourd'hui, dans les mesures qu'on mène, on a une réponse à cette question qui est très mitigée, où on voit globalement que et les collaborateurs et les clients sont encore très sceptiques. Alors, on n'a pas utilisé le terme greenwashing parce qu'il n'est pas forcément perçu par tout le monde et puis on ne veut pas entrer dans la stigmatisation. Mais quand on interroge les clients d'un côté sur comment ils perçoivent les pratiques des entreprises auprès de qui ils consomment, que ce soit en matière de respect de l'environnement, de la biodiversité, on les interroge aussi sur la notion de est-ce que l'entreprise auprès de qui vous êtes client a mis en place des politiques de recyclage. Et là, les clients sur tous ces sujets-là sont encore plus de la moitié à être pas du tout convaincus de l'efficacité de la pratique des entreprises. Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas bien communiqué? Est-ce que c'est parce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui fait qu'ils soient sceptiques à ce point-là? Alors, aujourd'hui, notre baromètre est français. Et donc, je pense qu'il y aura peut-être des résultats un peu différents dans d'autres pays. Les Français sont souvent très critiques vis-à-vis des entreprises. Donc, il y a peut-être une dimension culturelle, probablement, à ça. Mais je pense qu'on est tous autour de la table, à titre individuel, convaincus qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, on le sait tous, j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça. Et donc, on n'est pas surpris de le voir mesuré dans les chiffres sur des items très particuliers. Et c'est la même chose pour les collaborateurs, qui sont alors peut-être un poil moins sévères dans les chiffres que les clients. Il y a peut-être un peu le syndrome de Stockholm. C'est difficile d'être critique auprès de l'entreprise, par rapport à l'entreprise qui nous nourrit tous les jours et auprès de qui on est engagé tous les jours. Mais on va retrouver des taux d'adhésion ou de conviction par rapport aux différents items qu'on teste, qui sont un petit peu plus élevés que pour les clients, qui sont autour de 40%, mais pas non plus fantastiques. On est à maximum la moitié des collaborateurs qui estiment que leur entreprise à des actions vraiment efficaces, que ce soit sur les actions autour de l'empreinte carbone, sur la sélection des fournisseurs, sur les politiques de recyclage. Tous ces sujets transverses sont encore vus de manière assez critique par les collaborateurs également. Mais est-ce que c'est lié au fait, justement, on parlait de culture RSE, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été embarqués dans les sujets? Est-ce qu'il n'y a pas... ça passe comme trop de communication et pas véritablement de la réalisation dans les faits. Qu'est-ce qui permettrait justement de réduire, je crois que c'est 50%, tu m'as dit, chez les salariés et 40% chez les clients. Comment on peut en fait augmenter ce taux et faire en sorte qu'ils ressentent qu'il y a un vrai effort qui est fait, que ça soit une vraie réalité et pas juste justement une réalité de façade? Alors, il y a une réponse à court terme, mais qui ne me satisferait pas, qui serait de dire c'est un sujet de communication et il y a peut-être une mauvaise perception. Mais si on s'engage dans cette voie-là, on n'est pas cohérent parce qu'on va faire du greenwashing. Enfin, c'est bien la dérive et le risque du greenwashing. Donc c'est vrai que la marge de manœuvre, elle est assez étroite. Je pense qu'on est sur des sujets qui sont très très complexes et qui vont être longs à bouger. On le voit tous les jours. Le but, ce n'est pas d'améliorer la perception des clients, mais je pense qu'il faut améliorer les vrais indicateurs de fond et les vraies data. Et donc, heureusement qu'on a des entreprises comme Greenly qui nous permettent de mesurer et justement de factualiser, d'apporter des data pour battre en brèche d'éventuelles pratiques qui seraient un peu trop complaisantes et un peu hypocrites, en fait. Ok, alors ça c'est cette partie donc émission des gaz à effet de serre, éco-responsabilité. On a vu tout à l'heure que le volet social est également important et ça aussi c'est quelque chose que vous mesurez dans ce baromètre. Alors effectivement, nous notre credo effectivement c'est de dire qu'une politique, une relation client éco-responsable, elle doit évidemment prendre en compte les aspects environnementaux. Mais les anglophones utilisent l'acronyme ESG pour résumer les trois thématiques qui sont derrière ces sujets-là. Donc le E pour environnemental, le S pour social au sens large et le G pour la gouvernance qui a plus trait au sujet de corruption, par exemple, qu'on peut voir dans certains pays. Nous, à l'Académie du Service, en prêchant pour notre paroisse, on va être très très vigilants sur le sujet du S. Et donc, on pense qu'une relation client éco-responsable, elle doit bien sûr commencer par prendre en compte les enjeux environnementaux, mais elle ne doit pas oublier les sujets sociaux qui sont... Sur la pyramide qu'on voit là. Oui, pardon, j'étais déjà passé. Donc, dans les sujets sociaux, au sens très large du terme, les entreprises vont souvent commencer par suivre les sujets de la santé au travail,
avec notamment le sujet des accidents de travail. Alors, je pense qu'autour de la table, on n'est pas dans des secteurs où, heureusement, ces problématiques-là sont trop aiguës, mais dans le BTP, dans la construction, dans l'industrie en général, ça commence par là, une politique socialement responsable. On va avoir évidemment des sujets autour de la politique sociale de l'entreprise par rapport à ces licenciements qu'on peut mesurer par le taux de rotation des effectifs, qui sont des indicateurs, j'allais dire, un peu simples à suivre et assez classiques. Et puis, évidemment, sur les problématiques d'inclusion, qui est un autre point important, la parité homme-femme qu'on peut mesurer par la présence des femmes dans les organes de direction ou dans les plus hauts salaires, ou par le biais des écarts de rémunération homme-femme dans les entreprises. Et ça, je pense qu'il y a déjà des normes qui commencent à se diffuser et ces pratiques-là sont bien suivies. Et nous, à l'Académie du Service, on a ce credo que pour être vraiment allé au bout des choses sur une politique socialement responsable, une fois qu'une entreprise s'est attaquée à ces sujets-là, la pointe de l'iceberg, le dernier étage de la pyramide, on a un peu détourné la pyramide de Maslow pour ceux qui sont familiers avec ce concept, en se disant le dernier étage, une fois qu'on a travaillé sur la santé au travail, sur les écarts de rémunération homme-femme, sur l'inclusion des travailleurs handicapés, la dernière étape, c'est de s'attacher à la fameuse symétrie des attentions et donc de vérifier que l'entreprise va avoir une politique orientée client et sans oublier orientée collaborateur et donc très vigilante sur les pratiques managériales au sein de l'entreprise pour avoir un engagement des collaborateurs qui est très important parce qu'on sait que pour nous, c'est le vecteur et la condition et le prérequis à une expérience client de qualité. Ouais. Donc ce que vous dites, si je comprends bien, c'est qu'il ne faut pas juste s'arrêter aux choses un petit peu classiques, mais il faut intégrer la satisfaction client et en fait l'engagement des collaborateurs, c'est ça ? C'est une vision probablement un peu idéaliste aujourd'hui et peut-être un peu avant-gardiste, mais on pense que c'est la direction qu'on suggère à toutes les entreprises de se fixer. Oui. Effectivement. C'est-à-dire que généralement, quand on a une entreprise qui soigne bien ses clients, elle a une meilleure performance financière et elle est plus respectueuse également de l'environnement. Et ça commence par bien soigner ses collaborateurs et avoir des politiques managériales respectueuses des collaborateurs au même titre qu'elles sont respectueuses de leurs clients. Et donc c'est la fameuse symétrie des attentions qu'on mesure régulièrement dans le baromètre. On la décline sur un certain nombre de thématiques, une dizaine, c'est celles qui sont représentées au milieu de ce slide-là. Donc on va mesurer via le biais d'un certain nombre de questions les notions d'autonomie accordées aux clients comme accordées aux collaborateurs, la notion de compétence et de soutien dont bénéficient les collaborateurs au contact des clients. On regarde aussi évidemment le sujet du comportement et du savoir-vivre parce que les clients ils sont très attachés. On va mesurer la considération que le client estime recevoir de l'entreprise et en miroir que le collaborateur estime recevoir de ses managers. On va mesurer la coopération telle qu'elle est perçue par les clients entre les différents services de l'entreprise avec qui elle traite et également en interne, parce qu'on sait très bien qu'une qualité, une expérience client défectueuse enfin, ou insatisfaisante peut être causée par des problèmes de coopération interne entre les différents services. On va mesurer la notion d'écoute et de feedback. Est-ce que moi, client, je me sens écouté par l'entreprise quand je ne suis pas content ? Est-ce que j'ai la possibilité de faire un feedback à mon fournisseur ou à l'entreprise auprès de qui je consomme des services ? Et cette notion-là, évidemment, en interne, le feedback dans l'entreprise, c'est un sujet à la mode en ce moment, mais on sait qu'il est dur. C'est pas parce qu'il est à la mode qu'il est bien pratiqué, pardon. Il est dur à mettre en œuvre. Et donc, on mesure également auprès des collaborateurs dans quelle mesure eux ont la perception d'être écoutés et de pouvoir recevoir et donner du feedback à leur encadrement. Comme je l'évoquais, on mesure aussi la perception des collaborateurs et des clients sur l'engagement RSE de leur entreprise. Et c'est via ce biais-là que j'ai pu partager avec vous quelques données qui montrent le scepticisme un peu des deux populations aujourd'hui sur ces sujets-là. Et puis, voilà, je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout des 11, ça serait un peu laborieux, mais il y a aussi la notion d'harmonie entre le digital et l'humain, puisque les canaux digitaux sont fortement développés, parfois au détriment de l'efficacité ou de la chaleur du contact humain. Et donc, on mesure aussi comment les clients perçoivent ça. Et on réalise ces enquêtes auprès de clients, auprès d'employés, enfin de collaborateurs, et également auprès des dirigeants des entreprises. Et c'est cette perception en miroir qui permet
d'abord de mesurer si cette notion de symétrie des attentions sur ces différents piliers-là est installée de manière symétrique ou pas. S'il y a des dissonances. S'il y a des dissonances, voilà. Donc on peut avoir le phénomène qu'on observe souvent, c'est en interne, je me vois beau. Donc les collaborateurs et les dirigeants, a fortiori, ont l'impression d'être exemplaires. Le parcours client est génial. Et puis, quand on interroge le client, c'est le retour à la réalité avec des sons de cloche qui sont beaucoup plus sévères. Ouais, c'est vrai que la symétrie des attentions est vraiment très forte là-dessus. Alors justement, l'Académie de Service, qui est l'inventeur du concept de symétrie des intentions, comment ça se passe en fait de manière concrète? Comment on met en place la symétrie des intentions? C'est une étude, c'est une enquête, vous l'avez dit, on interroge les clients, les collaborateurs, le management. C'est un projet sur combien de temps? Alors sur la partie diagnostic, ça se fait avec la même méthodologie que le baromètre national qu'on mène depuis 10 ans, sauf qu'au lieu de le déployer sur un panel représentatif, on va le déployer sur un échantillon représentatif des clients de l'entreprise, sur le nombre le plus large de collaborateurs possible, et puis sur les dirigeants, parce que c'est toujours cette distinction dirigeant-collaborateur lambda, si je puis dire, qui est souvent très parlante et qui provoque des prises de conscience. Ça nous permet de mesurer sur les différents axes où est-ce que tout va bien, où est-ce qu'il y a des axes de progression ou des carences, si on peut dire. Et puis après, pour le mettre en œuvre, on travaille sur la notion de... On travaille sur des référentiels. On aide les entreprises, en co-construction avec leurs experts, à construire un référentiel de bonnes pratiques d'un point de vue client, et en s'appuyant, en travaillant sur les moments de vérité, qui sont les moments qui vont être les plus sensibles pour les clients. Et puis on fait le même exercice sur la partie interne, sur les référentiels de management. Donc on va aller voir les collaborateurs pour comprendre sur quel moment de leur vie professionnelle ils sont le plus sensibles et le plus critiques. Et on va construire souvent avec les RH et puis avec les équipes managériales, des bonnes pratiques managériales. Et le troisième pilier sur lequel on travaille aussi, c'est les notions de coopération. Donc là, on n'est plus dans une relation hiérarchique de comment moi, manager, je dois gérer les relations managériales avec mon collaborateur pour qu'il soit engagé et donc actif positivement auprès de mes clients. Mais on va aussi regarder entre services en interne. Et souvent, les services back-office, il y a un clivage qu'on observe souvent entre le back-office et le front-office. Avec le front-office au sens large, les populations de collaborateurs qui sont en contact direct avec les clients, qui prennent la pression des clients et qui ont un job qui n'est pas facile et qui parfois pour faire bien leur métier et servir leurs clients sont dépendants de fonctions support au sens large, back-office ou autre, de fonctions support en interne qui elles, parce qu'elles ne sont pas exposées aussi directement aux clients, vont être beaucoup moins sensibles à ça. Et ça c'est la partie la plus dure, c'est de changer la culture en interne auprès de ces populations-là pour leur faire prendre conscience qu'elles aussi, elles ont un rôle à jouer dans la performance finale de l'entreprise par le biais de la fidélisation des clients et la satisfaction des clients en aidant leurs collègues en interne à effectuer leur métier de la manière la plus performante possible. Merci pour cette explication. Alors, est-ce qu'il y a un exemple que vous pourriez nous donner justement d'une entreprise qui a travaillé avec au travers de la symétrie des attentions sur justement sa relation client pour la rendre un petit peu plus éco-responsable et avoir vraiment une démarche plus RSE? Est-ce que, un exemple, je ne dis pas emblématique, on peut même rester anonyme, d'entreprise justement qui a dit, ok, voilà, je vais agir au niveau de ma relation client je vais rendre ma relation client plus responsable? Alors effectivement, on respecte beaucoup la confidentialité de nos clients, donc ça va être délicat pour moi de donner des noms d'entreprises. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est comment ces sujets-là passent d'un secteur à l'autre. Et là, il y a une prise de conscience dans des secteurs qu'on n'imaginait pas forcément il y a quelques années être vigilant là-dessus. Et on accompagne depuis quelques années beaucoup de promoteurs immobiliers. Ouais. On est parti à l'origine, l'Académie du Service est née au sein du groupe Accor. Donc on avait ce prisme des métiers de service, de l'hôtellerie, de la restauration qui était très fort chez nous. Et puis on s'est étendu au fur et à mesure sur des métiers, ou des secteurs un peu voisins, puis de moins en moins voisins au fur et à mesure. Mais on voit aujourd'hui que les promoteurs immobiliers qui ressortent, qui sont assez mal classés dans notre baromètre annuel justement, parce que pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons, aujourd'hui viennent souvent nous consulter pour les aider déjà à poser le diagnostic clairement sur qu'est-ce qui ne va pas chez eux, et puis les aider à développer leurs pratiques en interne pour gommer ces irritants clients
qui sont malheureusement un point assez fréquent dans ce métier-là. Oui, c'est vrai. Il y a du travail à faire là-dessus parce que souvent, c'est orienté très métier, produit et pas orienté justement client. Et effectivement, cette focalisation de certains secteurs sur la notion de produit au détriment du client, on la voit sur des secteurs comme ça. On la voit aussi dans l'industrie, même dans le B2B, l'industrie un peu lourde. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que même on a des clients qui travaillent dans la blanchisserie industrielle. La blanchisserie industrielle, ce n'est pas un secteur B2C du tout. Ce n'est pas forcément un secteur qu'on pourrait penser en pointe sur les problématiques de satisfaction client. Mais en fait, on voit que les irritants d'un client B2B, c'est souvent un peu les mêmes que les irritants ou les vecteurs d'insatisfaction d'un client grand public. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la session très rapide de questions-réponses. Et avant, on va faire gagner le dernier livre de la journée, qui est en fait, bien sûr, le management de l'insatisfaction client. Alors, Chantal, qu'est-ce qu'on pose comme question pour faire gagner ce livre ? Elle va être assez simple. Quel est le nom du baromètre annuel édité par l'Académie du service ? Facile. Alors, en plus, il est affiché. Ah non, il n'est plus affiché à l'écran. Il n'était pas très loin. Bah, alors, est-ce qu'il y a une question ou deux, Chantal, à nos invités ? Très rapidement, Fred. Ouais. Alors, on va peut-être continuer avec l'Académie du service. Comment faire en sorte que les collaborateurs soient moteurs ? Certaines personnes ne se sentent pas impliquées. Au contraire, ils sont très climato-sceptiques. Ça reste sur le climat. Moi, j'avais une petite interrogation aussi pour compléter. C'était chez vos différents clients, jusqu'à quel point vous constatez que l'appropriation est différente en fonction des générations. Alors, la première question, pardon, c'est... Comment on fait pour les gens... Comment on fait pour embarquer les sceptiques. Ouais. Voilà. Comme dans beaucoup d'autres sujets, nous, notre credo, c'est l'exemplarité managériale. Enfin, ça, j'enfonce une porte ouverte, mais si au quotidien, mon supérieur hiérarchique ne me montre pas la voie... S'il prend l'avion tout le temps, si... Ça fait partie des sujets qui sont très compliqués, en effet. Évidemment. Et donc, ça commence par là, sur ce sujet de l'engagement environnemental, mais sur tous les autres. Et nous, on l'a vécu, c'est comme ça qu'on a développé la notion de symétrie des attentions, c'est-à-dire que... On voyait bien que dans l'engagement des collaborateurs auprès des clients, si moi je ne suis pas respecté au quotidien par mon manager, quand le client se présente en souffrance à la réception de l'hôtel parce qu'il est un peu tard et qu'il a peur de souffrir d'un overbooking, je ne vais pas être, moi, réceptionniste, très engagé et très motivé pour prendre soin de mon client si au quotidien j'avale des couleuvres dans mes relations managériales. Et quant à la deuxième question sur le sujet de la génération, à nouveau, bah oui, j'enfonce une porte ouverte, mais les collaborateurs les plus jeunes sont les plus sévères sur tous ces sujets-là. C'est quelque chose qu'on mesure de manière très claire, à la fois sur la partie environnementale, c'est des sujets sur lesquels ils sont plus vigilants, et puis sur les pratiques au sens large que j'évoquais de qualité de vie au travail, où on voit qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un sujet chez un certain nombre d'entreprises pour recruter. Le recrutement devient difficile. On a parlé du big quitting aux États-Unis. Et les collaborateurs les plus jeunes sont les plus durs à convaincre. Ça, c'est une évidence. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question, Chantal, avant qu'on... Peut-être pour Greenlee. Est-ce que votre service nécessite l'intervention d'un consultant ? Non, donc nous, on a certains clients qui font leur bilan carbone en autonomie tout seul sur notre plateforme. La plupart de nos clients, cependant, ils demandent l'aide de nos experts climat, donc ce sont un peu nos consultants internes, mais voilà, ils sont dédiés à nos clients. Et c'est vraiment exceptionnel, mais on le développe de plus en plus, d'avoir des consultants qui travaillent avec notre plateforme. Parce qu'on voit certains groupes qui sont habitués à avoir leurs consultants, qui aiment travailler avec eux et qui nous disent je veux la plateforme, mais en même temps, j'aime mon consultant. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on travaille ensemble. D'accord. Alors, je crois qu'il est bientôt l'heure de se quitter, les 53. Ben, merci à nos trois intervenants pour ces informations très intéressantes. Si vous voulez, en fait, bien sûr, télécharger l'étude du baromètre, donc c'est le baromètre de la symétrie des attentions. Chantal, qui a gagné d'ailleurs la... Alors, le livre, notre dernière gagnante, c'est Virginie Aono. Ben, bravo, Virginie. Donc, si vous voulez télécharger après le baromètre, je vous mets ici... le baromètre à l'écran, donc
bit.ly/barometresymétrie. Et donc merci à nos deux intervenants. Si vous voulez faire votre bilan carbone, vous pouvez consulter le site Greenly. Et puis bien entendu, nous, on est à votre disposition pour toutes les informations sur le centre de contact et les enquêtes de satisfaction. Donc je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour le dernier atelier de la journée où on verra en fait un petit bilan de la relation client de 2025. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.